Les fidèles musulmans de l'association Ansadine sont venus des différentes communes du district d'Abidjan pour la commémoration du Mauloud, naissance du prophète Mahomet. Une forte mobilisation pour témoigner leur reconnaissance au prophète de l'islam. Il faut que le monde entier sache que Mohamed, c'est un homme de paix. Célébrer sa naissance, c'était un événement important dans l'islam. C'est pourquoi chaque année, nous le célébrons. Le prophète, c'est un homme parfait et il nous a guidés vers le droit chemin. Sans lui, nous ne saurons pas qui est nos créateurs et qui est-ce qui a fait que le monde existe. Grâce à lui aujourd'hui, au moins, nous pouvons dire Alhamdoulilah Rabbil Alamin, puisque nous vivons en paix. Le conférencier de cette cérémonie, l'imam Saïd Sanogo, a invité les fidèles à adopter une attitude exemplaire selon les principes de l'islam. Présent à cette célébration, Karamoko Yayuru, député de la commune d'Abombo, a demandé à toute la communauté musulmane de faire des bénédictions pour le président de la République et pour la paix. C'est un moment de retrouvailles, un moment d'introspection, un moment de prière, un moment aussi pour prendre la réconciliation et l'unité et faire en sorte que les uns et les autres nous puissions nous pardonner. Nous avons demandé que des prières soient faites à l'endroit du chef de l'État et de son gouvernement. La Fédération Ansadine est une association qui vise la promotion de l'islam. Elle est représentée dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire.